comme si une malédiction en entraînait une autre. Dans la vallée de la Vologne, en cette année 2017, la mondialisation n'a épargné personne. Les usines de tissage qui ont fait la fierté de la région ont fermé les unes après les autres. La Vologne est sinistrée. Du côté de l'affaire Grégory, le temps a fait son œuvre. Cela fait 32 ans que l'on a retrouvé le petit, pieds et poings liés dans la Vologne. Les jeunes ont oublié. Seuls les vieux y pensent encore un peu. En silence. Ici, tout le monde sait bien qu'il ne faut surtout pas réveiller les fantômes et les haines recuites. Mais la malédiction est tenace. À la veille de l'été, c'est la justice qui va prendre le risque de relancer la spirale fatale. Le 14 juin 2017, à la surprise générale, deux nouveaux suspects sont arrêtés par les gendarmes de la section de recherche de Dijon. L'affaire Grégory rebondit encore une fois. Je ne suis pas venu ici pour vous dire j'ai résolu l'affaire Villemain, je sais qui est l'auteur, je ne le sais pas. On a un certain nombre d'éléments. À l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Ont été interpellés et placés en garde à vue hier matin, M. Marcel Jacob, Mme Jacqueline Thuriot, épouse Jacob, son épouse. Selon la nouvelle hypothèse des gendarmes, voici ce qui se serait passé le 16 octobre 1984. À 17h15, Bernard Laroche, oncle du petit Grégory, aurait enlevé l'enfant devant chez lui. Il l'aurait ensuite emmené en voiture vers un lieu inconnu en compagnie de sa jeune belle-sœur, Muriel Boll. Là, vers 17h45, Bernard Laroche aurait remis le petit Grégory à son oncle Marcel Jacob. Celui-ci aurait alors exécuté l'enfant avant de déposer son corps, pieds et poings liés, à la tombée de la nuit, dans la rivière. Marcel Jacob, le plus jeune frère de Monique Villemain, la grand-mère de Grégory, serait-il le monstre de la Vologne? Sur une photo récente du nouveau suspect et de son épouse Jacqueline, on découvre un couple âgé, aux cheveux gris. Il a 73 ans, elle 74. Mais malgré leur âge avancé, ils vont tenir tête aux enquêteurs. Jacqueline Jacob, désignée par une nouvelle expertise graphologique comme la possible auteur de deux des quatre lettres du corbeau, se réfugie dans son droit au silence. Tandis que Marcel, lui, répète que ni avant la mort de Grégory, ni après, il ne s'est intéressé aux affaires de la famille. Voici ses paroles durant sa garde à vue. Je ne veux pas me mêler de choses comme ça, hein, de choses qu'on ne me regarde pas. On m'a rien demandé. J'ai dit au juge Simon que si j'avais su le moindre petit bout pour permettre d'identifier celui qui a fait le mal, je serais allé voir les gendarmes tout de suite. Je n'aurais jamais pu vivre avec ça. Contrairement à ses déclarations, Marcel Jacob pourrait, selon les gendarmes, s'être toujours tenu précisément au courant de l'évolution de l'enquête depuis le début de l'affaire. On l'aperçoit derrière Marie-Ange Laroche lorsqu'elle vient voir ses avocats après l'assassinat de son mari Bernard par Jean-Marie Villemain, le père de Grégory.
On le voit encore, 2 mois plus tard, discuter avec Maître Pron, l'avocat des Laroche. Les enquêteurs pensent que Marcel Jacob allait à la pêche aux informations, car il craignait d'être découvert. En 1982, 2 ans avant l'assassinat de l'enfant, alors qu'un corbeau anonyme harcelait au téléphone la famille Villemain, une violente altercation a opposé Marcel Jacob à Jean-Marie, le père de Grégory. Cette dispute est racontée par les protagonistes de l'affaire dans les procès-verbaux dressés il y a plus de 30 ans. Ces interrogatoires pourraient révéler, selon la thèse des gendarmes, le mobile de Marcel Jacob pour commettre l'infanticide. Une jalousie épidermique, brutale, féroce. Fin 82, je me souviens d'une dispute entre le Marcel Jacob et mon frère Gilbert, sur la route de Bruyère. Je suis intervenu pour les séparer. Le Marcel Jacob, il m'a tendu la main et puis il l'a retiré. Il m'a dit « Je dis pas bonjour au chef. T'es qu'un rampant. T'as pas de poils sur la poitrine. » Jean-Marie a voulu serrer la main à Marcel. Mais Marcel lui a dit qu'il ne serrait pas la main à un rampant. Ils se sont pris à la gorge. Marcel a appelé Jean-Marie rampant parce que Jean-Marie venait d'obtenir sa promotion. Il venait de passer contre-maître. Marcel ne pouvait pas y croire. Marcel nous a dit à tous, je vais vous faire éclater les couilles. Et puis, il est parti à sa voiture pour chercher une matraque. Là, Jacqueline, sa femme, a dit à Jean-Marie, t'es bien une saloperie de Villemain, comme les autres, t'es la même raclure que ton père. Et là-dessus, Jean-Marie a dit à Marcel que c'était lui l'auteur des appels téléphoniques. Eh ben, ça n'a pas plu à Marcel. Oui, c'est vrai que j'ai insulté Jean-Marie sur sa nouvelle promotion. Il venait de passer surveillant. Il se peut même que j'ai employé le terme rampant. Mais Jean-Marie et Gilbert Villemain ont eu aussi des mots méchants. J'en ai gardé aucune rancune. Si je les ai pas revus, c'est le fait du hasard. Dans la vallée de la Vologne, la nouvelle de l'arrestation du couple Jacob a fait l'effet d'un coup de gel en plein été. Comme des oiseaux de mauvais augure, les journalistes sont de retour dans le petit village d'Aumont-Zay. La maison violette des nouveaux suspects, avec ses volets clos, est filmé sous toutes les coutures. À peine 100 mètres plus loin, il y a l'ancienne maison du neveu de Marcel Jacob, Bernard Laroche, premier inculpé de l'affaire. Depuis sa terrasse, comme depuis la terrasse des Jacob, on peut observer la maison familiale des Villemain, en contrebas dans la vallée. Les enquêteurs pensent que le voisinage de l'oncle et du neveu est devenu une complicité criminelle. 5, 4, 3, 2, 1. C'est dans cette maison, celle des époux Jacob, inculpés et incarcérés depuis vendredi, que les gendarmes ont peut-être découvert le début du fil qui permettra de dérouler toute l'affaire. De l'autre côté du village, les journalistes planquent aussi devant le domicile de Muriel Boll, un chalet de 2 étages à la lisière de la forêt. C'est ici que vit celle qui, avant de se rétracter, a affirmé être dans la voiture de son beau-frère, Bernard Laroche, alors qu'il enlevait le petit Grégory. Aujourd'hui âgée de 48 ans et mère de 3 enfants, Muriel passe ses journées chez elle à tenir sa maison et nourrir ses 2 poneys. Le 27 juin 2017, 2 semaines après l'inculpation du couple Jacob, Muriel Boll est arrêtée à son tour. Pour les enquêteurs, elle est la témoin clé de l'affaire, celle qui doit enfin avouer la vérité. Emmenée à la caserne voisine de Saint-Étienne-lès-Remiremont,
Muriel va une nouvelle fois, durant sa garde à vue, rejeter son premier témoignage de novembre 84, selon elle, extorqué par les gendarmes. La vérité, répète Muriel, c'est qu'elle n'était pas dans la voiture de Bernard Laroche. Son beau-frère est innocent. À en mettre. Bon, Muriel Boll est mise en examen pour enlèvement. Comment elle a réagi? Elle réagit comme réagit Muriel, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle encaisse les coups, et de temps en temps, il y a une larme qui coule sur sa joue. Et puis elle répond de façon mutique. Muriel, elle s'exprime avec un vocabulaire très pauvre et avec très peu de mots. Quand on s'exprime de cette façon-là, eh bien, on est suspect, et donc on considère qu'on peut mettre en examen et, le cas échéant, emprisonner. À l'époque des faits, Muriel Boll ne se confiait qu'à une seule personne, sa mère Jeannine. À la mort de celle-ci, en 1988, elle s'est rapprochée de l'une de ses sœurs, la plus âgée, Francine, qui a joué le rôle de mère de remplacement. Si Muriel porte un lourd secret depuis plus de 30 ans, la première personne avec qui elle aurait pu le partager, c'est Francine. Ça fait 15 ans que je suis à Grand, ça fait 15 ans qu'elle est avec moi. J'ai retrouvé Muriel parce que je suis venue habiter à Grand. Quand son mari, enfin son compagnon travaillait de l'après-midi, elle arrivait, il était 1h30, puis elle repartait vers 5h. Mais elle ne parlait pas, même de l'affaire. Tous les après-midi, on jouait au jeu, on buvait le café jusqu'à 5h. Jamais, jamais, sur la tête de mes enfants, je peux même le jurer qu'elle n'a jamais parlé de l'affaire. Jamais, hein. Muriel, c'est pas une personne qui parle. Elle se confie pas. Mais je pense qu'elle a souffert. Je sais que tous les semaines, elle allait en vélo sur la tombe de Bernard. Ça, c'est vrai. Oui. Tous les semaines, elle y allait tout le temps. La mort du mari de sa sœur, assassiné par Jean-Marie Villemain, est la clé pour tenter de comprendre les silences torturés de Muriel Boll. Depuis le décès brutal de Bernard Laroche, un voile noir est tombé sur la vie de la jeune femme. Un cauchemar peut-il en cacher un autre? Après ce choc, Muriel aurait-elle enfoui au fond de sa mémoire ce qui se serait passé le jour de l'assassinat du petit Grégory? Peut-être. Les amnésies traumatiques sont fréquentes chez les mineurs témoins de scènes sanglantes. Un mécanisme dissociatif fait disjoncter les circuits de la mémoire pour pouvoir survivre. Le jour où Muriel Boll a vu le corps sans vie de son beau-frère Bernard Laroche gisant sur la dalle de béton du garage, tout a peut-être disjoncté. Et elle a tout effacé. Ça a été un coup terrible pour elle. Elle vit avec la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là et de la part de responsabilité qu'elle s'impute dans la mort de Bernard Laroche. Si elle n'avait pas cédé aux gendarmes, eh bien, sans doute, l'assassinat n'aurait-il pas eu lieu. Et donc, elle vit avec ce sentiment de culpabilité. Retour sur une vie de recluse. Quelques semaines après la mort de son beau-frère, Muriel se coupe les cheveux. Ce sacrifice de sa crinière rousse sonne alors comme une entrée au tombeau. À 15 ans, Muriel Boll arrête définitivement sa scolarité et s'emmure dans un douloureux silence. Oh!
fois, pendant quelques jours, Muriel retrouve un peu de vie. Début août 1988, par exemple, quand sa sœur Marie-Ange, la jeune veuve de Bernard Laroche, épouse en seconde noce Denis Jacob, un lointain cousin. Sa grande sœur semble à nouveau heureuse. Un instant, Muriel pense que l'on peut peut-être tout recommencer. La jeune femme rencontre alors Martial Jacquel, un apprenti boulanger, fan de Johnny Hallyday comme elle. Le petit Fabien naît fin 1987 et Muriel s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Mais hormis son homme et son bébé, elle ne veut voir personne. Comme elle n'a jamais sorti, elle n'a jamais fréquenté, elle n'a jamais été en vacances. Elle n'a pas une vie normale comme tout le monde. Quoi. Elle n'a jamais été en boule de nuit. Pourtant, moi, à 15 ans, j'avais déjà été. Quand elle était toute seule, les gens avaient plus la facilité de l'insulter que quand elle était avec moi. Les gens disaient, bah, tiens, voilà la grosse boule, c'est de l'affaire du petit Grégory. Voilà, toutes des insultes comme ça. Quoi. Elle a toujours la tête baissée, éviter les regards des gens. Quoi. Sans qualification, marquée au fer rouge par l'affaire, Muriel Boll ne parvient pas à se faire embaucher dans les supermarchés du coin. Alors elle reste à la maison, à écouter Johnny. Elle mettait de la musique, elle restait dans son coin. Des fois, elle rigolait quand même, mais il y avait, on va dire, sur 100%, on va dire 70% de tristesse. Martial est persuadé que Muriel n'a rien à se reprocher. Durant leurs années de vie commune, ils n'ont parlé de l'affaire qu'une seule fois. Maman m'a dit qu'elle n'était pas, qu'elle n'était pas du tout dans l'affaire, c'est ce qu'elle avait dit, quoi. Après, j'en ai pas reparlé parce que je voulais pas non plus mettre toujours ça sur le tapis. Quoi. En novembre 1993, Martial accompagne Muriel au procès du meurtrier de Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain, à Dijon. Muriel ne pense qu'à cela depuis des mois. À 23 ans, elle est devenue boulimique. Et elle a pris 20 kilos. C'est novembre, j'attends pour m'expliquer. Parce que personne ne me laisse le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. Vous avez conscience que votre témoignage très attendu et peut être capital? Oui, oui, j'ai conscience. Oui. Muriel Boll voulait clamer son innocence. Mais la mutique de la Vologne ne parviendra pas à trouver ses mots dans l'enceinte si solennelle du tribunal de Dijon. Quand Jean-Marie Villemain, depuis le box des accusés, lui déclare « Il faut que tu puisses regarder ton enfant en face un jour, Muriel. Je te plains de vivre avec un secret pareil. » La jeune femme rousse ne peut que répéter « J'étais dans le car le 16 octobre 1984. Bernard Laroche est innocent. » Cinq ans après le procès de Dijon, Jean-Marie Villemain n'a pas changé d'avis. Il est persuadé que Muriel Boll était présente lorsque son fils a été enlevé. Le père de Grégory vit à présent dans une zone résidentielle de la grande banlieue parisienne. Les dernières photos de Christine et lui datent du milieu des années 90.
Depuis ces images, les Villemain ont élevé leurs trois enfants, nés après la mort de Grégory, dans un anonymat total. Caché dans l'ombre de sa banlieue, Jean-Marie Villemain traque aussi la vérité depuis 25 ans. Sans relâche, le père de Grégory a plaidé auprès des juges pour que Muriel Boll, témoin clé selon lui, soit interrogée à nouveau. C'est sans doute son obstination qui a convaincu la nouvelle juge d'instruction de Dijon, Claire Barbier, de relancer l'enquête. Madame Barbier est un magistrat de grande qualité qui a parfaitement saisi que Jean-Marie est un allié pouvant s'avérer précieux, que c'est un garçon qui est absolument apte à fournir une aide logistique et intellectuelle indéniable, et donc admet effectivement, comment dirais-je, non pas de partager son pouvoir, là, l'expression serait stupide, mais accepte effectivement de prendre largement en considération les suggestions de Jean-Marie. Tous les week-ends, et même souvent en semaine, Jean-Marie Villemain plonge dans les dossiers d'instruction successifs de l'affaire Grégory pour réaliser des synthèses qu'il envoie ensuite à la juge de Dijon. L'une des plus élaborées, écrite en 2011, s'intitule « Recherche sur la cinématique des faits criminels » et développe, minute par minute, quatre scénarios selon lesquels Bernard Laroche aurait bien enlevé l'enfant avec la complicité de Muriel. Jean-Marie regarde si les déclarations des uns et des autres sont cohérentes. Il regarde s'il y a possibilité de creuser tel ou tel PV d'audition, s'il y a nécessité d'organiser une confrontation entre X et Y. Il se livre un travail de bénédictin. Il est une espèce de super juge d'instruction. Dans une autre synthèse, rédigée en 2012, le super juge d'instruction raconte sur 35 pages les années qui ont précédé le crime, lorsque le corbeau harcelait la famille Villemain. Dans ce document, Jean-Marie évoque la thèse d'un meurtre collectif impliquant, outre Bernard Laroche, Marcel Jacob et son propre frère, Michel Villemain. Michel Villemain, l'aîné de Jean-Marie, est mort en 2010. Écorché vif, quasiment illettré, il a toujours été le mouton noir de la famille Villemain. Sa haine pour son jeune frère a éclaté au grand jour après la mort de Grégory. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre frère Jean-Marie? Jean-Marie, j'ai pu lui parler. Vous voulez plus lui parler? Non. Pourquoi? Pourquoi? Il a fait trop de mal à la famille. Pourtant, il a perdu son fils. Il a perdu son fils, celui qui cherche à l'hériter comme nous, qu'on la cherche. En quoi il a fait du mal à la famille? Accuser tout le monde. Filmé ici en 1993, Michel Villemain aurait, selon le récent scénario des gendarmes, informé ses supposés complices, Bernard Laroche et Marcel Jacob, des faits et gestes de son frère Jean-Marie. On dit que vous étiez très proche de Bernard Laroche. Très proche de Bernard Laroche, mais c'est pas Bernard Laroche, le corbeau. Et c'est pas vous le corbeau? Non, moi non plus. Les enquêteurs pensent que Ginette, la femme de Michel, partageait ses secrets. Lors de la relance de l'enquête en juin 2017, elle aussi a été interpellée par les gendarmes et gardée à vue pendant 36 heures. Il n'en est rien sorti. Pourquoi les gendarmes vous ont placé en garde à vue? Parce qu'ils m'accusaient d'être le corbeau. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? J'ai dit que c'est... Je ne sais pas si je dois le dire. Il dit que c'était dégueulasse d'accuser les gens comme ça. On accuse les gens comme ça gratuitement. Comme je sais, je ne sais pas jouer au corbeau. Ça,
ça me fout en colère. C'est sûr. Parce que j'ai rien à voir, moi, dans tout ça. Ça fait 34 ans qu'on en souffre de cette affaire. Il vous a reparlé de l'affaire juste avant de mourir, Michel ? Je sais plus, il était pas bien. À 500 km de la Vologne, dans la ville du Mans, l'un des anciens acteurs principaux de l'affaire, le juge Jean-Michel Lambert, suit heure après heure l'évolution de la nouvelle enquête. Il y a 32 ans, juge d'instruction à Épinal, le magistrat, dans un premier temps, avait inculpé et mis en prison Bernard Laroche avant de le libérer 3 mois plus tard. Jean-Marie Villemain s'était alors fait justice lui-même en assassinant Bernard Laroche. Puis le juge Lambert avait inculpé Christine Villemain et demandé son renvoi aux assises. La mère de Grégory a finalement bénéficié d'un non-lieu pour absence totale de charges. Depuis qu'il a quitté la Vologne, le petit juge est devenu un petit écrivain. Il a publié 11 livres, dont 8 romans policiers au titre évocateur. Confession fatale, Scrupule, Purgatoire, Témoin à charge. Tous racontent des intrigues judiciaires dans de petites villes de province où apparaissent de séduisantes criminelles, des avocats carriéristes, des juges débordés et des journalistes manipulateurs. Comme si, dans sa tête, Jean-Michel Lambert revivait encore et encore l'affaire Grégory. C'est tout bouleversé. Ma personnalité, mon existence, mon regard aussi sur la société. Pour moi, c'est très clair, il y a un avant et un après 16 octobre 1984. Le 12 juillet 2017, un mois après la réouverture de l'enquête, Jean-Michel Lambert rentre chez lui, rue du Bignon, au Mans, où il habite un appartement moderne. L'arrestation de Muriel Boll et la relance de la piste Laroche début juin l'ont profondément ébranlé. Dans les articles de presse, sur BFM, on souligne à nouveau les dysfonctionnements de la justice dans cette affaire. Une fois chez lui, Jean-Michel Lambert s'assoit à son bureau et écrit cette lettre destinée à un journaliste de l'Est républicain. J'ai décidé de me donner la mort, car je sais que je n'aurai plus désormais la force de me battre. Ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle qui aurait dû s'effondrer dès le premier regard objectif sur le dossier. Pour ne pas perdre la face, on cherchera un bouc émissaire. Autant dire qu'il est tout trouvé. Je refuse de jouer ce rôle. Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. Je préfère sonner la fin de partie pour moi. J'ai accompli mon destin. Après ce testament, Jean-Michel Lambert a bu une bouteille de whisky et s'est mis un sac de plastique sur la tête, qu'il a fermé en nouant un foulard. Le juge Lambert est la 4e victime de la malédiction de la Vologne. Et sa mort brutale va sonner le début de la débâcle pour la nouvelle enquête. Comme si un étrange sortilège était de retour.
4 décembre 2017. 6 mois après son arrestation, Marcel Jacob, le principal suspect, est convoqué par la juge Claire Barbier. Le grand-oncle de Grégory a été libéré de prison, mais il est assigné à résidence hors du département des Vosges, sous contrôle judiciaire strict. La magistrate de Dijon semble penser que ce long isolement fera craquer le vieil homme de 73 ans. Mais Marcel Jacob répète qu'il ne sait rien. La stratégie judiciaire ne fonctionne pas. Donc a eu lieu ce jour un interrogatoire qui a duré toute la journée, qui est celui de M. Marcel Jacob. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une affaire qui sera longue et ce n'est pas sur la foi d'une seule audition que l'on pourra faire des déductions définitives sur la solution de ce dossier. Trois semaines plus tard, juste avant Noël, Marcel Jacob voit son contrôle judiciaire levé. Il peut rentrer chez lui, en Vologne, retrouver sa femme Jacqueline, libérée 15 jours plus tôt. Les époux Jacob ne se sont pas vus depuis 6 mois. En ce début janvier 2018, la brume tombe sur la vallée de la Vologne. Et la relance de l'enquête sur la mort du petit Grégory semble subir le même sort. Les perquisitions au domicile des suspects n'ont rien donné. Les écoutes téléphoniques et les interrogatoires non plus. Aucun nouveau témoignage décisif n'est venu corroborer la nouvelle hypothèse des enquêteurs. Après plus de 3 décennies d'enquête, la vérité, dans l'affaire de l'assassinat du petit Grégory, s'échappe toujours. Cinq mois plus tard, début mai 2018, les mises en examen du couple Jacob et de Muriel Boll sont annulées pour vice de forme. Une nouvelle fois, la justice perd la face dans cette affaire. Maître Welzer, l'avocat historique de feu Bernard Laroche, dénonce un gâchis monumental. Ce qui est choquant est invraisemblable. C'est qu'on se dise, allez, on va entendre des témoins. Non mais, des témoins 33 ans après les faits, qui ont tous vu, qui se sont tous forgé une opinion depuis 33 ans. Un témoignage sur une scène criminelle, le lendemain des faits, c'est déjà difficile. Une semaine après les faits, tout le monde peut se tromper. Mais 33 ans après les faits, ne pas se contenter de faire des analyses ADN scientifiques, qui, elles, peuvent déterminer des choses, mais venir comme des apprentis sorciers essayer de trouver des témoins 32 ans après, mais c'est du grand n'importe quoi. Ma conviction profonde, au vu du prétendu dossier, c'est que tout ça va finir par un nouveau fiasco. Avec un mort de plus. Avec un discrédit de plus. Puisqu'il n'y a rien de déterminant. Puisqu'il n'y a rien de nouveau. En ce début d'automne, Muriel Boll, débarrassée de son contrôle judiciaire, est revenue vivre dans la vallée de la Vologne. Elle a retrouvé sa grande sœur Francine. C'est la saison des champignons. Là-bas, tiens. Tiens. Non, c'est pas bon. C'est quoi? Pas bon. C'est un truc rouge. C'est un fossé. Tigurte. C'est bon, là? Tigurte. Trouvé? Oh,
vêtements. C'est quoi ça? C'est pas un petit gris, ça? Oh. C'est pas bon, ça. Il y avait une bise verte. C'est une bise? On dirait, hein, mais... Il y en a une autre. Et une sauterelle, garde. Oh, arrête. Non, c'est une petite grenouille. Non, c'est quoi? Francine, c'était une grenouille. C'est bébé grenouille. Où c'est qu'elle est? Il y a bébé. Il y a bébé grenouille, là. Ah bah, c'est là? Non, elle s'est sauvée. Pas la sauter, là. Elle est là-bas, c'est parti là-bas. Pas de champignons, hein, ma petite menu. Rien du tout, hein. Ah, non. Durant sa détention, Muriel Boll, 48 ans, s'est séparée de son compagnon. Elle a quitté le chalet en bordure de la forêt. Elle doit tout reconstruire. Je suis tout seul maintenant avec mon oreille, le petit haut, avec mon fils. Je reprends l'appartement, puis voilà. J'essaie un peu de vider la tête. Il y a le silence, le bruit, on entend les oiseaux, le bruit, le vent dans les forêts, tout ça, j'aime bien. Le vent dans les sapins et tout, ça fait du bien. C'est difficile de parler. Pourquoi? Si ça fait mal. À chacun de ses différents interrogatoires, Muriel Boll a répété encore et encore qu'elle n'était pas dans la voiture avec le petit Grégory et son beau-frère Bernard Laroche il y a 33 ans. Malgré une année d'isolement, malgré les pressions de la justice, la rouquine de la Vologne a maintenu sa version des faits. Est-ce que vous comprenez que Jean-Marie et Christine Villemain continuent à chercher la vérité sur l'assassinat de leur fils? Bien sûr que je comprends. Ce sera leur place, je ferai pareil. Je chercherai. Mais ils n'ont pas à s'acharner comme ça. Ils s'acharnent sur Bernard, il est innocent, donc... S'ils étaient devant vous, Jean-Marie et Christine Villemain, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais je ne sais pas, Bernard, je ne sais pas moi. Je comprends leur douleur. Il faut qu'ils se mettent aussi à notre place aussi. Hein. Parce qu'il y a la famille, ma famille aussi, ils ont souffert autant qu'eux. Hein. Est-ce que vous avez pu faire le deuil de Bernard? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Lorsqu'il a appris que Muriel Boll et le couple Jacob n'étaient plus mis en examen, et donc que la relance de l'enquête se terminait par un échec, Jean-Marie Villemain a accusé le coup. Puis, dans sa maison de la banlieue parisienne, il s'est aussitôt remis au travail. « Je ne lâcherai jamais », répète-t-il à ses proches. « Muriel Boll et Bernard Laroche ont fait de moi un assassin. Je n'étais pas programmé pour tuer quelqu'un. Tout est de leur faute. Je n'abandonnerai pas. » C'est l'histoire d'une malédiction. L'histoire d'un enfant sacrifié, tué de manière barbare.
L'histoire d'un homme qui croit se faire justice en assassinant son cousin. L'histoire d'une mère innocente, accusée du pire des crimes. L'histoire de deux juges emportés tour à tour par la fièvre de l'affaire. Cette malédiction ne cessera que le jour où l'on aura trouvé l'assassin du petit Grégory. Mais, 34 ans après, les derniers témoins disparaissent, les pistes s'épuisent. Et les secrets de la Vologne s'étiolent dans les brumes des montagnes des Vosges. Thank you.